Deschamps. Là, je peux vous assurer qu'on a failli avoir du petit bois. Hein. Là, ce sont vraiment des acrobates parce que les voitures étaient vraiment en complète perdition. Oh là là là. Oh là là. Là, là. T'as fait char, ta mascaraille. Ah mais tu peux pas freiner là. Là tu peux pas freiner. Hein. S'il est resté sur la piste, sur la trajectoire, c'est vraiment que là, il a gardé soudé parce que vraiment, on a été très très impressionnés. C'est pas terminé dans la tête. Là tout d'un coup, il a pas marché la carrière. La fraîcheur toujours en tête de la mascarade pour toi qui essaye de revenir qui se recolle. En tout cas, vive la troisième position. Ça saute un peu là-bas au niveau du poste 4. On a un drapeau jaune là-bas au fond du circuit. Aïe, aïe, aïe. Et voilà Patrick, on en parlait tout à l'heure pour notre équipe Barbecue. Le spectacle est là aussi. Faifa et Caraïbes ne s'étaient jamais rencontrés en manche qualif du week-end. Ils se retrouvent en finale. Et là, on voit que c'est vraiment un rythme au-dessus là pour les trois hommes de tête avec Otakar Vivardi. Alors, bien installé entre eux. On va essayer d'expliquer pourquoi ils ne se sont pas rencontrés. Hein. Mais c'est parce qu'ils se départagent autant. Et comme ce sont eux les plus rapides de leur manche respective, eh bien, ils le sont toujours parmi leur manche. Ce qui fait qu'on les retrouve en finale. Ah, là, je peux la baisser. Là, sauf problème, avec la Fraîcheur a pris le meilleur sur Thomas Caraille. Otakar Vivardi, sans problème. Le numéro 299, de Jeanne Brozek. Eh bien, oui.